Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo sur Mortal Kombat 1 les mecs. Et ouais, ça y est, le trailer de lancement est enfin disponible. Il a pop là il y a à peine une heure, hein. On est le 12 septembre et je vous propose de regarder ce petit trailer avec moi. Alors je dis petit trailer, non gros trailer, hein, parce que c'est un trailer qui dure 4 minutes. Donc on va voir comment ils ont fait pour faire un trailer de 4 minutes. Est-ce que ça va être des cinématiques? Est-ce que ça va être du gameplay? Est-ce que ça va être un mixte des deux? Est-ce qu'on va voir des nouveaux modes, des nouveaux persos? On va découvrir ça ensemble. Alors, vous avez vu, un effet spécial tout ça. Alors, qu'est-ce qui nous révèle dans ce petit trailer? Having liberated the hourglass, I become keeper of time. I was free to craft a new era of peace. As long as I've known. Ah, attendez, pause. On va mettre les sous-titres, hein, les gars. On va mettre les sous-titres et est-ce qu'on peut les traduire? Hop, sous-titres. Traduire automatiquement. Hop, 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 en français. Voilà. Bien sûr, il n'y aura pas de cut, hein, vous savez. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? En arabe? Non, on a dit en français, ça a mis en arabe? Mais attendez, mais on est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Traduire automatiquement en français. Il n'y a pas arabe. Pourquoi ils mettent en arabe? Voilà. Merci. Bien. Hein, les amis, les rebeux. The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the Outworld. Ok, le tournoi, ça on savait, on connaissait. It has begun. Nouveau thème musical, on aime bien. Ish. Wow, ah ça on l'avait pas vu encore, ok. Attends, Scorpio qui est... Il est en caméo et en personnage principal en fait. Oh, lui il a un flow lui hein. C'est qui ça? C'est quoi, c'est Keno? C'est le nouveau Keno genre? Waouh. Mais c'est qui ces personnages là? Ok. Nitara qui... Megan Fox avec le diable derrière elle qui l'accompagne. Les jambes. Ah ça c'est Jean-Claude Van Damme. Two Johnnies, one timeline. Man, this has mega hit written all over it. Allez, la voix, la voix est tue. J'avoue, je suis obligé de mettre en anglais. Je sais pas si c'est lui qui fait la voix française, par contre. Ok, donc ça, c'est le mode... Le mode conquête, là, je crois qu'ils appellent ça. Ils montrent un peu de... Ok, Jack. Ça, c'est un skin ou c'est... Waouh. Nouvelle alliance, ok. Let us win it first, brother. I will aid you. Le mode d'histoire s'annonce encore incroyable. If you fight tomorrow, the symptoms of your disease could manifest. Katana will take your place. There are already whispers she should replace me. Ah, genre on la voit avant. Ah ouais. Your race can shapeshift. Voilà, dinguerie. Waouh. La soif, elle est stylée. Ah, on voit qui a matricié Shang Tsung. Allez, bah ça... Wouah, elle est stylée. Ah, mais attends, Liu Kang, c'est quoi son skin, là? Oh, Shang Tsung, il est vieux. Ah ouais. Wouah. Oh, le flow est incroyable. Le flou des Shang Tsung est incroyable. Waouh. Ok. Wow. Wouah, d'accord. Ça lui met du Vicks Vaporum dans le ventre.
Ah ouais, là, il lui a mis du space-fond directement. C'est la fin, ça fait 4 minutes là ? Ah ouais, mais les 4 minutes sont passées à la vitesse de la lumière. Et à la fin, du coup, on voit les personnages en téléchargement qui sont dans le combat pack. Eh ben écoutez, franchement, les gars, le trailer est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le trailer est incroyable. On va le regarder en vitesse 0.75 parce que là, il y a beaucoup de choses à voir. Clairement, on a vu des personnages, on a vu des on a vu des attaques, on a vu des caméos, des trucs qui n'étaient pas forcément prévus. Eh les gars, le trailer est incroyable. Franchement, est-ce que SF a fait un meilleur trailer de lancement que celui-ci? Je ne suis pas sûr. On a vu un peu du mode... Alors là déjà, qu'est-ce qu'on peut voir là, ici, là? Là, quand on voit ça, c'est qui au milieu, là? Ça, c'est Kenshi, ça. Ça, c'est Kenshi, là, qui se cache, là. Alors, derrière, c'est des randoms, mais là, c'était Kenshi. Bon, là, il y a Johnny Cage. Ok, bon, ouais, on revoit Kenshi, ici. Ok. Sindel. Ok. T'as les mêmes arbres que Raphaël dans Tortue Ninja, en fait. J'ai jamais fait gaffe. C'est les trucs c'est les armes de ninja en fait, tout simplement. Un truc avec Milena Kitana. Alors là, par exemple, cette phase là, juste ici. Alors on a Scorpion qui fait son get over here, et on a un autre Scorpion vieux qui fait aussi un... Donc c'est un... Donc on a un Scorpion vieux en caméo en fait, d'une autre timeline. Donc en fait, le délire du game en fait, c'est un bail de timeline et les caméos, on va avoir que ça. Vous êtes un terrain terriblement mal préparé. Mais ça, avec un couteau comme ça, et là, le signe qu'on voit ici en mode Shao Kahn. Mais même derrière, là, c'est le Jax de Deadly Alliance, non? Dites-moi en commentaire, les gars. Je sais qu'il y a des gars qui sont chauds, là. Ça, c'est le Jax de Deadly Alliance, ça. Et ça, c'est Keno. Après, je vois pas de coup signature. En tout cas, j'arrive pas à en reconnaître. Je sais pas si le follow-up de Shop, là, c'est censé être un coup signature de Keno. Mais pour moi, là, il a ses deux yeux, il fait pas de roulade. Ah non, ou ça, c'était Cyrax? Non, ça, c'est Jax, ça, qui se bat comme ça, là. Un coup de patate, là. Ouais, non, ça, c'est Jax, ça. Ah, ça, d'ailleurs, est-ce que c'est pas le coup de genou, là? Est-ce que c'est pas un clin d'œil à sa fatality dans les anciens MK quand il venait avec sa jambe, là? Est-ce que c'est pas un clin d'œil à ça, en vrai? Alors, le nouveau perso Nitara. Voilà, alors on a le perso qui est derrière, là, qui apparaît. En diable, là, on sait pas qui c'est, le diable. Voilà, la petite chope aérienne. Ouais, attends, elle fait une chope aérienne, elle peut re-sauter après. Elle aurait pu le refaire deux fois. Ok, là, on a mon gars sûr, Jean-Claude Van Damme. Là, il est stylé, là, en fait. Là, il est beau, en vrai. Hein. Sur la stance, là. De Johnny, une chronologie. On est d'accord. D'accord, jusque-là. Donc là, ils ont mis les deux persos classiques. C'est stylé. C'est le petit clin d'œil au vrai MK1, du coup. Nouvelle manière de combattre. Ok. Donc là, ils nous montrent le mode conquête, là. Donc là, ça a l'air d'être un mode plateau. Ça aussi, on va le faire ensemble en stream. En tout cas, on va faire des sessions là-dessus. Ça a l'air d'être un peu l'équivalent. Ouais, il y a des petits mini-jeux. Alors, donc là, déjà... Attendez. Déjà, là, il se passe un truc, là. Là, il se bat contre Chaos Maker. Chaos Maker, c'est quoi? C'est un personnage du mode de ce mode spécial-là? Ou c'est un personnage qu'on peut jouer? Chaos Maker. Sub-Zero et Sonya. Ok. Là, on voit qu'il y a un truc qui tombe au ciel, là. Shaolin Thunder. Après, ça, je crois que c'est des persos... en mode du mode spécial, en fait. C'est pas vraiment des personnages jouables. Je pense. La classique actor et Sarina. Ah, mais non, c'est le nom du skin, ça. C'est le nom du skin de Johnny. Ça, c'est Johnny Cage. Donc, on voit. Donc, premier teasing de skin, hein. Classique actor. Et Sarina. Mais c'est qui, ça, Sarina? Ok, là, on voit Cyrax en... Geras. Ok. Ok. Il y a beaucoup d'infos, là, dans le trailer, hein. Reptile avec Baraka.
Nouvelles origines. Les visages sont super bien faits, hein. Je trouve l'expression, je sais pas comment il s'appelle, c'est labial, je crois. Voilà, Kitana, Milena, les deux sœurs. Elles sont douces, hein. Mais elles ressemblent de ouf à Sindel. C'est ses filles ou quoi? C'est les filles de Sindel, en fait? Je connais pas le lore MK, hein. Je connais pas du tout le lore MK. Shang Tsung. Et elle, c'est qui, elle aussi, là? Ça, c'est un nouveau perso, ça. Elle a l'air d'être du même truc que Geras. Ouais, la tête cringe. Par contre, il a un flow incroyable. Hein. Niveau technique, tout ça, là, il est... Mais, attendez, regardez ça, cette technique, là. Cette technique de Liu Kang. Là, il part les projectiles avec... Il a une sorte d'armure de glace. Ça, c'est nouveau, ça. Ah, attendez, là, c'est Sector là qui apparaît comme ça, là, en caméo. Le niveau aussi est vraiment lourd, hein. C'est nouveau aussi, on n'avait pas vu celui-là. Là, il se transforme en je sais pas qui, là, il se transforme en Liu Kang. Shang Tsung avec Striker derrière, en caméo. C'est dommage que, genre, ces personnages-là, ils sont que en caméo quand même, hein. Genre Jack, Striker, Sonya... Bon, c'est des personnages quand même qui étaient là depuis longtemps dans la licence, hein. On n'a pas vu Goro encore. Est-ce que Goro sera dans le game? Après, Goro, je crois que c'est dans le 2 qu'il est. Je crois qu'il n'est pas dans le 1. Ah là 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 là. Kung Lao... La scie avec le chapeau. Ok, et c'est la fin du trailer. Mortal Kombat 1... On finit sur la fatality de Shang Tsung, qui pour le coup, voilà, qui met un peu d'anti-Covid dans le ventre du poteau, là. Et ouais, qui sort un Guawuld. Ouais, il a un flow. Il sort le 14, et on l'aura le 14, les gars. Et là, du coup, on est sur l'écran de fin avec les personnages téléchargeables qui sont là, et que bien sûr on fera sur la chaîne. On va faire petite review de chaque personnage, les gars. Chaque personnage qui seront en review. Et voilà, bah écoutez les gars, c'était le trailer. Moi je, franchement, trailer incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais trailer vraiment lourd. On attend avec impatience la sortie du game. On la fera en live. Là on a vu beaucoup de nouveautés. Là encore du gameplay sur Chong Chong. j'en perds mon latin. En tout cas, voilà, on attend le game. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du trailer. Et on se retrouve très bientôt, que ce soit sur Twitch ou ici, pour du Mortal Kombat, les gars.